Chers téléspectateurs, nous sommes revenus ici depuis le siège de la centrale électorale à la Gombe pour cette communication très importante, très attendue du bureau de la CENI à 3 jours selon le calendrier de la tenue des scrutins, la présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales. Et nous avons une communication très importante du bureau du président lui-même, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga Yobeluo, qui d'un moment à l'autre fera son entrée ici pour livrer le message qu'attend l'opinion, tant nationale qu'internationale. Et vous voyez vous-même la présence de la presse, tant nationale qu'internationale, pour avoir l'information à la source. Nous l'avons dit dans les précédents commentaires, qui par rapport à certaines rumeurs qui circulent parlant déjà du report des élections, le président de la CENI va bien sûr venir ici pour donner les précisions. Les élections se tiendront le 23 décembre, le dimanche prochain tel que prévu, ou pour certaines raisons très réalistes, la CENI va proposer ou parler du report de ces élections. Nadine Toto. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus Nini mbuta kone inanga yubeluonto lisi ya seni ke zabisa beto ke zabisa nkango ya uvini ya bwini kina kumona ba mwangisi nsangu baye ba kile awa mingi na inzo balukutakanu ya seni samu bavwanda monso ba Santo Toma baza ba nini bakuba na makutu na wapu ba mwona bao mwosi nini kele kele wita asamba mwangisa ba nsangu na mutindu mwosi yambote ya cheleka bilungu mebikana samu na ya kutanga samu beto kone na kupona ma beto meza ba ve kana kupona ma ke salama kilungu balumingu kana yake salama ve jambi ya kubola ya kele ve jambi ya kutuba peti kupona ma ke salama ve ve yake mutindu na ve beto ke na fingila mutindu ntadisi ya seni ketubila beto na bantango kena kuiza ntama mingi ve yandike monana mingi penza na bifikula beto ke kuwa ndinga nandi pama vese kele ntima nandi beto meza ba ya uve ya uvina beto kele awa tama mingi ve beto kuwa yandi beto ke kuwa pama ve yandi meza ba iki mutindu visela seni kina diatila bilungu lutaka ya cheleka baba siri yo kamaka na tia baba toma babuna kakakaka peme pesa pesi mingi na mambo ya kupona mamingi mingi awa na mbanza kincha sanso kande ya cheleka baki na kuiza Elodie Ntamuzinda me possible d'avoir vos téléphones sur vibre. Voilà, nous voyons déjà l'arrivée des membres du bureau, le vice-président Norbert Basengezi, les rapporteurs adjoints, madame le questeur qui est passé déjà. Et bientôt, donc, on annonce l'arrivée du président Corneille Nanga, qui sera entouré des autres membres du bureau pour cette communication importante à Sri Dokongo. Kweli wandugu wapenzi, tunaona hapa kuna memba chache wa chumba cha seni wenye wamekwisha kuingia, sawa vile mnenezi wa chumba cha seni, pia kiongozi makamo wa seni bwana Norbert Basengezi, bwana Kalamba, wote wamekwisha kuingia na mnenezi makamo naye amekwisha kuingia. Inangojewa tu ni duru ya kiongozi mwenyewe bwana Corneille Nanga aweze kuingia kwa kuweza kutoa ujumbe kutokana na na mkutano wa upashaji wa habari wa uandishi wa habari kwa siku ya leo, kwani ni tajari kabisa kwenye chumba cha seni kutokana na mkutano wa leo wenye utaweza kuongozwa na kiongozi wa chumba cha seni kwa kuweza kutoa ujumbe kutokana tu na maandalizi ya kura yenye kuandaliwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika kura itaweza kuongozwa ndani ya eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni ujumbe yenye raia wote wa Kongo, ulimwengu mzima, Afrika nzima wako wanangojea kabisa kwa siku ya leo.
wako wanangojea kwa siku ya leo. Basi punde kidogo tunaona kwamba wote wako tajari kwa kuweza kungojea kushuka kwa kiongozi wa chumba cha seni bwana Corneille Langa mwenye kwa nashuka kunako viwango kwa kuweza kuingia katika nafasi ya mkutano juu ya kuweza kuongoza mkutano wa andishi wa siku ya leo bwana Joel. Voilà, nous vous annonçons déjà l'arrivée du président de la CENI, Corneille Langa. Vous allez le voir tout à l'heure sur vos écrans. Son entrée ici dans la salle, c'est le président ici. De la CENI, voilà. S'il vous plaît. Donc la communication, t'as attendu, vous intervenir à bon moment. Excellence, mesdames et messieurs de la presse, nous allons avoir votre attention s'il vous plaît. Nous allons commencer la communication, le point de presse avec le président de la CENI. Nous aurons premièrement la communication du président de la CENI, suivie de questions et réponses. Mais entre-temps, nous allons vous distribuer la décision de la plénière qui va supporter sa communication. Merci. Son Excellence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. Je peux les rassurer d'entrée de jeu que je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à remercier au nom de la plénière de la CENI toutes les parties prenantes qui ont contribué à mener le processus électoral de notre pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fait un long chemin. Je n'oublie pas la presse, chers amis, toujours professionnelle, dont le rôle a été particulièrement apprécié dans la livraison d'informations vraies et authentiques, dans un univers inondé par les fake news. J'ai également une pensée particulière pour nos compatriotes électeurs qui non seulement se sont mobilisés pour se faire inscrire sur les listes électorales, mais aussi demeurent mobilisés pour exercer leur droit de vote et pouvoir déterminer par ces derniers l'avenir de notre pays. Je ne peux non plus oublier les candidats qui non seulement se sont jetés à l'eau, mais ont également démontré, par leur engagement dans la campagne électorale en cours, leur attachement au bon couronnement de ces processus électoraux. Pour ce faire, nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Rassurés quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits du matériel créé par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons
tampons des entités administratives ont été ramenés des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même. Ces stocks tampons ne contenaient pas des bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert entre autres non seulement la configuration mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans les restes du territoire national le 23 décembre. Dans ces cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et les CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des parties prenantes et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ce décalage feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Nous allons commencer, nous prendrons une série de 3 questions d'abord. Nous vous prions de vous présenter, donner le nom de votre organe et ensuite poser votre question. Nous comptons sur la concision et la concision de vos questions. Merci. De toute façon, il ne devrait pas avoir de questions. L'élection aura lieu le 30 décembre. Dans exactement au lieu du 23, c'est le 30 décembre, soit 7 jours après. Merci. Je vous remercie. Merci, Président, pour la parole. Eric Isamipo, antenne ATV. Président, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent qu'il aurait fallu peut-être recourir à l'hôtel de monnaie
qui est basé à Kinshasa et qui pourrait, selon cette opinion, produire des bulletins qui manquaient par rapport à Kinshasa, qui, nous savons tous, est doté quand même des infrastructures par rapport aux autres coins de la République. Que répondez-vous à ceux de Congolais qui pensent ainsi? Merci. On prend la réponse avant de passer à une prochaine question. Oui, il est un fait que l'hôtel des monnaies, la Banque centrale, a une capacité d'imprimer les bulletins. Mais il y a quand même des considérations techniques à prendre en compte. Les bulletins de vote que nous allons utiliser avec les machines à voter sont des bulletins de vote configurés à cet effet. Concis à cet effet, il était de bon aloi que la commande se fasse auprès de l'imprimeur qui est le fournisseur des équipements. Bien plus, en imprimant en Corée du Sud, ça nous aura pris une semaine pour que nous ayons tous les stocks à Kinshasa. Cette capacité technique à l'intérieur du pays, nous n'en avons pas pour en faire à un temps aussi, à un temps record comme celui-là. Donc, nous avons pris la solution qui permettrait à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible, à défaut du fait que le 23, ça ne serait pas possible. Nous avons ajouté 7 jours. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le compte d'Actu 30. L'élection aura lieu le 30 décembre. La campagne électorale prend fin demain. Est-ce qu'il y a une conséquence sur la campagne électorale? Et quand est-ce que les résultats, les premiers résultats, seront connus si l'élection aura lieu le 30 décembre? Nous, du moins, la campagne électorale ainsi que toutes les autres activités du calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats le plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179 centres locaux de compilation pour centraliser, consolider les résultats comptés manuellement au niveau des bureaux de vote. C'est l'ensemble de ces résultats consolidés, mis ensemble, qui nous permettront de donner les premières tendances en donnant les résultats pour les scrutins présidentiels, circonscription par circonscription. Merci. Walter. Nkoumi Walter, Radio Top Congo. Vous avez tout à l'heure parlé des fake news. Il y a ces fake news ou certaines rumeurs qui circulent sur le net disant que la cartographie des bureaux de vote n'est pas encore claire. On ne sait pas où on va voter. Certains bureaux auraient été déplacés s'il y a lieu d'éclairer les électeurs ou ceux qui suivent. L'une des valeurs ajoutées au processus électoral de 2018 aura été la présence d'une cartographie électorale. Ce qui n'a pas été le cas en 2006 et moins encore en 2011. Aujourd'hui, bien avant les élections, soit 6 mois avant les scrutins, on a rendu public la cartographie, on connaît où sont localisés les bureaux de vote et cette cartographie est présentée avec des éléments géospatialisés. C'est donc des cartes, et ça c'est une valeur ajoutée que nous avons au niveau de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, et ce sont des éléments de transparence. Bien entendu, il faut dire que l'élection aura lieu le 30 décembre prochain. Avant d'aller au niveau de votre circonscription, les nombres de bureaux de vote sont bel et bien connus. Si vous ne le savez pas, revenez à la CENI, la cartographie est disponible. Merci. Ouais. Le cœur Moutipaï pour le compte des silos et TV. Monsieur le Président, la loi dit qu'il faudrait publier la liste définitive des électeurs un mois avant les élections, jusque-là. Quel article?
selon la loi électorale. Je ne maîtrise pas l'article. Non, je vous dis de poser des questions sur des choses dont vous avez la maîtrise. Merci beaucoup. Prochaine question. La deuxième question, c'est en rapport avec les machines à voter. Oui. Vous nous confirmez aujourd'hui que la CENI a toutes les machines sur le sol congolais. Oui, et merci beaucoup pour cette question en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, la République démocratique du Congo, les circonscriptions sont basées sur une cartographie nationale, sur des entités administratives. Avant de vous répondre à cette question, laissez-moi vous préciser ces éléments. C'est la République démocratique du Congo, subdivisée en 26 provinces. Et les provinces sont en milieu urbain, subdivisées en 32 villes. Les 32 villes subdivisées en 310 communes et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 20 subdivisées en 145 territoires, les 145 territoires subdivisés en 734 chefferies secteurs et les 734 chefferies secteurs sont subdivisés en 6095 groupements et ces derniers sont subdivisés en plus de 88 000 villages. Ces entités s'arriment avec les circonscriptions électorales, dont la République démocratique, le pays entier pour l'élection présidentielle. Alors que pour l'élection des députés nationaux, les circonscriptions en comptent 181. Et les 181 correspondent aux villes et territoires, sauf dans la ville de Kinshasa, où la circonscription constitue un regroupement de communes. Alors que pour la députation provinciale, nous avons 201 communes. Et ces 201 communes correspondent aux territoires et aux villes, sauf pour la ville de Kinshasa, où la circonscription pour la députation provinciale est la commune. Ainsi, ces éléments, dans toutes ces circonscriptions aujourd'hui, nos matériels y sont déployés. Il n'y a aucune circonscription dans le pays qui n'a pas encore reçu son matériel. Le matériel, quand je parle de matériel, c'est au sens large. Il y a notamment les machines à voter, les kits bureautiques, les autres éléments accessoires comme la paperasse, encre indélébile et autres, mais aussi les différentes fiches et procès-verbaux pré-imprimés. Il y a eu des nouvelles que nous étions en Afrique du Sud. Pour cela, il y a donc ces procès-verbaux qui sont en cours de déploiement. Tout le pays est donc arrosé et couvert des matériels électoraux, ainsi que les machines à voter. Dois-je comprendre que la question était de savoir si on peut assurer tout le monde que les machines sont au pays? Toutes les machines étaient déjà au pays. Nous avons connu, nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle un cas de force majeure. L'incendie qui a eu lieu le 13 dernier a porté un coup dur au processus, mais hélas, nous rendons grâce à Dieu. Parce que cet incendie serait intervenu 3 jours avant qu'on arrêtait carrément le processus, parce qu'en ce moment dans l'entrepôt, même les matériels d'autres provinces étaient encore à Kinshasa. Vous comprendrez que la CENI n'a ménagé aucun effort et nous nous préparons donc pour que le 30 nous tenions les élections. C'est juste pour que nous complétions les préparatifs techniques dans la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Pour ceux qui parlent, bien entendu, Lingala, oui. Je voudrais dire un mot en disant aux compatriotes que Tokoki Kosala ba élection T, Namboka Mobimba, ya Congo, Peto Tiki, Kinshasa, la capitale. Tote, Tokomaki na moi, Bokoso, les Lopona ba bulletin. Biloko Nyo, c'est déjà déployé na Mboka Mobimba. Kasi pona ville de Kinshasa,
ba bulletin ango kokoma kaka samedi na pokwa yango ezalaki mwa passe toloba ke dimanche le 23 to sala ba election to koma ki na nini na ba hypothèse mibale ya liboso tolobi soki bolingi to sala ba election le 23 to ko sala ango kaka na kati ya mboka mais Kinshasa to bombi ango ba ko sala poste ekoland Yami balo tolobi to zela Kinshasa pe biloko nango koka po sima nango to organiser l'élection bisika biso to kende ki komona batu nyonso ba parti politique ba candidat batu ya ba église to moni pe bato to bengaka ba communauté internationale pe ba institution ya république to yebisi bango ke pona bolamu ya mboka pona kimia ya mboka ekozala malamu te que ah na Kazangul bazali ko voter kasi na Kinshasa bazolo ba biso to voter sima pona kimia ya mboka to lobi to ko sala ba election sima ya poso moko donc ekozala le 23 t mais ekozala le 30 décembre to boto panza mboka te pona 7 jours Bwanya penza oyo ba parti politique ba ebisi pe biso bango yangwana ezala boya opposition ya majorité ba tango to moli bango ba lobi to kotumba mboka pona 7 jours to si to zelaki 7 jours pamba surtout ke ezali politique te 7 jours wana ezali kaka po ezali mwa poko somoko technique soki ezalaka politique na lingaki to lingaki to senga bino feni alingaki asenga bino 1 mois 2 mois 3 mois te to lobi to zeli ba election mingi to lekisa mbula oyo te to banda 2019 te soki to sali ba election te to panza mboka te ba étudiant bo fanda na kimia bo se prepare pona ko voter ba candidat na biso esengo monene ndenge campagne eleki to moni ba parti politique ndenge ba se mobiliser ba kei mboka nyonso baza mu tramtaza ko presenter oyo ye programme wana nde ezali demokrasi toza kokoba toza kokende malembe mai le 23 tokozala na baélection ekozala mokolo moko historique mpona mboka na biso tolobi nini tolobi le 30 décembre nde tokosala élection nosepelini Bien, merci. Excellences, mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir for the sake of people who speak English. The message is that the key message we are giving today is that we have postponed election for 7 days and the election is going to take place on the 30th of December this year. This postponement is due to a technical constraint related to Kinshasa province. So election will take place in about 7 days. Thank you very much. Thank you, sir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents à ces lieux et surtout merci pour votre patience. Merci. En français, on a l'inga la peine en quota et en anglais. Et ma ponami, ma ma exingele kosalema, mon komalomingo oye, ma tukumba na misa to sans azom na mbare, mon buko to bazom na mwambe, ma pousa ni sone la kala poso yoko, to ba temikolo sambo. Miango, mizé na tina, yankasa iye ekokoma mokolo ya mpokwa na bile mokolo ya poso na bileko ya mpokwa sika na biloko biso bio bisengeli mpona maponami bizali bya bokoki kasi motuna mozalaki boye engo mokonzi Kinshasa etikala bongo bituka biso bisala maponami omi atukumbaye na misato sanza zomi na mbae mobuko te bazezomi na mwambe balobi